La légende dit qu'à une époque, les habitants de Tiga auraient eu le choix entre la musique et l'eau. Ils ont choisi la musique. Tiga, dit Toka, est une île pleine de mystères et riche en histoire. Au fil de mes rencontres ici, je vais tenter de dresser un portrait fidèle aux traditions de ce bout de terre à la croisée des chemins. Comme dirait un ami, pour venir à Tiga, il faut oser, j'ai osé. We are à Toka, c'est maintenant. Alors, à partir de la dernière maison, là-haut, jusque-là, là, quand on continue, et un peu plus loin, la première, la deuxième, après, ça, c'est le domaine du clan de la mer. C'est-à-dire, notre rôle, c'est d'approvisionner, normalement, la chevelure avec le poisson, dans le temps. Et maintenant, et c'est un peu plus loin, à partir de la maison, plus loin, c'est le clan de la terre. Et un peu plus loin encore, c'est le clan de la chefferie. Donc il y a plusieurs familles. D'accord. Il y a plusieurs familles qui composent le clan de la chefferie, le clan de la terre, le clan de la mer. Voilà. Donc le clan de la mer, le clan de la terre, le clan de la chefferie cohabitent ensemble ici, dans oui. une seule tribu. Et donc là, on est sur une allée, l'allée principale. L'allée principale, il n'y a qu'une seule route. Il n'y a qu'une seule route. Là. Là, jusque le plateau, jusqu'au champ, il y a un tournant là-bas. Il n'y a qu'une. On loge cette route-là, ça monte vers le terrain d'aviation et ça monte jusqu'au fond. Mais c'est jamais le tour de l'île parce qu'il y a trop de cailloux, il y a trop de rochers, des roches. Voilà. Mais c'est le milieu. On a, voilà. Et tous les clans réunis, ça fait combien d'habitants ici sur. Oh là là, oui, en plus de 100. Je crois que. Comptez ceux qui sont à Noumia, on n'est pas loin de 400-500 personnes. Hein. Voilà. Mais sur Tiga, il y a ben, plus de la moitié, c'est sur Noumia. J'ai toujours aimé les histoires et surtout l'essence de l'histoire. Tiga, on appelle Toka. D'après les scientifiques, les historiens et d'après nos vieux, pourquoi Toka? Parce qu'ils disent que Toka, c'est le Toka, c'est-à-dire le premier, celui qui en avance. Comment ces noms-là? Parce que peut-être lié à la venue des Austronésiens mélanésiens. Les vieux ont dit que c'est pour la première fois les Austronésiens mélanésiens arrivés sur les îles à la Grande Terre, ils sont passés d'abord par Tiga. C'est l'île interface. Tu ne peux pas passer par Marais sans passer par Tiga. C'est la première fois où les Kanaks, disons, après c'est les Kanaks, les Mélanésiens, les Austronésiens mélanésiens, les Kanaks, ils ont foulé la Grande Terre et les îles, ils ont d'abord passé par Tiga. Nos grands-pères, ceux qui ont fait Tiga jusqu'à maintenant, ils sont venus de Marais dans les années 1805-1815. Ils ont fait souche sur Tiga
Ils sont déjà venus des gens de Tiga. Donc nous sommes, nous. Mais Tiga était déjà passage. Peut-être pas tout à fait habité longtemps, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et comme les Austronésiens ont connu dans leur passage, c'est que le point stratégique est l'eau, dans la terre. Mais quand ils sont arrivés sur Tiga, il n'y a pas de source, il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a que des cailloux, il n'y a que des... Bon, voilà. Alors, Tiga a été vraiment habité à partir de 1805-1810, 1815, jusqu'à maintenant. Et c'est nos parents, nos grands-parents qui ont fait Tiga jusqu'à maintenant. Et parler de Tiga, c'est nous. La population, c'est la population des retraités. Mais là, on assiste un peu à une, les jeunes qui reviennent un peu. Là, il y a pas mal de jeunes. Mais je suis très content cette année parce que les jeunes reviennent et chaque jeune a son chant d'igname. Il y a aussi ce petit retour de toucher la terre, la vie des garçons dans la tribu. Actuellement, ce sont les jeunes qui font le travail. Mais dans certains sens, les jeunes posent des questions. Les jeunes viennent me poser des questions sur telle et telle chose. Et je crois qu'il y a une soif de référence. Il y a une soif de référence. Mais ils sont là, ils sont là. Mais ils sont là pour quand, on ne sait pas. Hein. C'est les jeunes. Hein. Tiga, c'est la banlieue de Nouméa. Parmi les jeunes de l'île, Kaku a travaillé à la mise en place d'un circuit de randonnée pédestre pour promouvoir le tourisme sur Tiga. Avec lui, je pars à la découverte de ce sentier. Ah, enfin, Kaku. Toi, Cédric. C'est bon, quoi? Ouais, ça va. Olé. Ben, aujourd'hui, je vais t'emmener sur le sentier randonnée pédestre. C'était un projet que moi, j'avais déjà réalisé l'année dernière. Et donc, du coup, ben, moi, je vais t'emmener sur le sentier, là. Okay. Et on fera l'excursion en deux, parce que ce sentier-là, c'est ce circuit 2 là, qui va jusqu'en bas à la grotte de Malou, au village. Au village, donc tout en bas près de la mer. Oui. Kaku, c'est quoi cet arbre-là? Celui-là, là, avec les fruits. Avec les fruits, là? Ouais. Donc cet arbre-là, c'est nous, en langue, on appelle à la nède. Cet arbre-là, ben, on prend des fois pour monter les structures cases. Mais ce bois-là, il ne peut pas durer plus de... Dans la structure case, il ne peut pas durer plus de, on va dire, au maximum 15 ans ou 20 ans. Donc, ah, il se moisit vite. C'est pas un bois... Enfin, c'est pas un bois dur. Voilà, c'est pas un bois dur, bien très, très solide, quoi. Quel bois vous utilisez, vous, pour les cases? Des fois, on récupère le souillou. Ce bois qui est là-bas, là. Ce bois qui est là. Le souillou, ah, on récupère ce bois-là, ce bois pour faire le poteau central. Le poteau central ou bien toute la structure de la case. Du coup, ça là, ben, c'est un bois le plus solide que la nette qu'on avait vu là. Et donc, okay. Ce bois, il est peut résister de 30 à 35 ans. Il peut résister plus longtemps, ce bois-là, le souillou. Souillou, oui. Ok. Souillou. Bon. Et on le coupe quand il est vert. On monte. On le fait monter quand il est encore vert, le bois. Vous montez la case. Ah, tu le coupes quand il est encore vert. Encore vert, oui. Souillou. Ok. Allez, voilà. Retenir. Souillou. Souillou. Ah, ben là, on a un coco à piège de crabe de cocotier. C'est quoi? Ça, c'est... voilà. C'est quoi? Donc ça, c'est un coco, on a coupé... On a fait une entaille sur le côté là pour voir la noix, pour que le crabe vienne le soir pour venir manger le coco. Nous, on utilise toujours le coco sec pour que le lendemain, on sait que le coco sec qu'on avait coupé pendant la veille, ouais, elle soit bien fermentée pour que l'odeur se propage dans la forêt pour attirer les crabes. Ça marche. Et c'est pas le soir qu'on vient regarder, c'est le lendemain soir à 9h du soir ou 10h du soir. Donc c'est okay. Parce que c'est ces heures-là que les crabes ils viennent pour venir manger le coco. Et après, ça, c'est les moments où nous, c'est plus facile pour nous pour venir attraper le crabe sur le coco. Waouh, ça y est, on voit la mer. Ouais. Alors, on voit bien la mer là, les grands bleus là. Et on a l'Ifou en face là, l'îlot qui est carrément en face là. Oh, magnifique. Ouf.
très beau là. Avec ce bleu, ce vert. Waouh, belle vue, hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être guide? Nous, on discutait avec les jeunes de Tiga. Et on avait discuté aussi avec le président de l'association des jeunes. Parce que, en fait, dans ma richesse à moi personnellement, dans mon inspiration à moi personnellement, pour être guide, ben, j'avais besoin de m'enrichir, besoin de savoir la transmission de mes vieux, de savoir les endroits, les histoires et les lieux. Et c'est pour moi aussi pour sauvegarder les endroits, pour toujours indiquer les endroits de chaque différent chef de clan, voilà, comme le clan de la mer, le clan de la terre et le clan de la chiffrie. Donner aussi, dire que bon, ben, dans le travail de nous, ici sur Tiga, on a un rôle par rapport à l'igname, on a un rôle par rapport aux poissons, chez le clan de la mer et chez le clan de la terre, un rôle par rapport au clan de la chiffrie. Donc du coup, c'est ce qui m'a, voilà, c'est ça qui m'a fait en fait attirer pour être guide surtout sur l'île de Tiga, pour se permettre à toute cette tradition et toute cette façon de surtout de vivre. Et aussi de transmettre à tous nos jeunes qui sont ici sur Tiga. De ne pas perdre. De ne pas perdre là. Voilà. Le patrimoine. Okay. C'est ça qui est. Voilà, qui est vraiment clair. Bon, ça y est, je vois qu'on est arrivé. Hop. Ça y est, qu'à quoi on est arrivé? Oui. Ah ouais, voilà. Donc là, on arrive à Ekoten. La signification d'Ekoten, c'est lieu de décision dans l'histoire originale de Tiga et du mythe. Toute cette... ben, les cocoteries représentent un lieu. Et celui-là, ça vient d'une propriété Wanedine. Donc on a la petite plage en bas. Et Wanedine. Voilà. Wanedine, qui fait partie du clan de la chiffrie. Ah, ok. Ouais. Ici c'est clan de la chiffrie. Le sujet de la chiffrie. D'accord. Ouais. Wow. On va faire un tour à la plage. Allez. Voilà. Wow. Ouf. Ben voilà. Cédric, je te présente la petite plage de Ekoten. Une marée remontante là, la marée basse elle remonte. Ouais, chaque fois que je regarde dans l'eau, il y a toujours des poissons. Voilà, je regarde, toujours un poisson qui traîne. C'est les poissons qui sont tout le temps là, dans le petit lagon là. Comme quoi, c'est une petite réserve aussi pour nous pour toujours venir pêcher. Vous la préservez bien. Ouais, préserve bien aussi la zone, l'endroit. Cédric, là on est arrivé à la grotte, la grotte de Malou. C'est la grotte, ben voilà, on va dire que c'est une grotte quand même pour camper aussi. Et c'est ça, cette grotte-là qui fait le point d'arrivée du circuit numéro 2. Si on va dans ce sens du plateau jusqu'au rivage. Donc il arrive directement ici, à cette grotte. C'est une grotte où tous les jeunes, des fois, quand ils ont une danse à répéter, une danse... de Tiga comme le Niniwacho, donc ils viennent ici pour répéter la danse de Niniwacho. C'est une répétition générale. Donc cette grotte-là,
perpète tout le temps aussi sur les répétitions générales, comme je disais, le niwacho. C'est une danse traditionnelle d'ici? C'est une danse traditionnelle de Tiga. De Tiga, ouais. Ok. Et c'est une grotte aussi qui permet à tous les jeunes ou à tous les gens de la tribu, du village, pour venir camper, pique-niquer en une journée. Donc ils profitent un peu de la grotte là, pour se rafraîchir un peu de la fraîcheur aussi qui est là. Et puis de se ressourcer un peu, surtout de se reposer un peu seul aussi, ici, dans cette grotte de Malou. Ton sentier, ouais. Il se termine ici, ta randonnée pédestre. Pédestre. Il se termine dans cette grotte. Ok, ouais, c'est là. C'est ça? D'accord. Bah, c'est une belle récompense d'arriver à la fraîcheur. Ouais. Ça, de Wiz. Ah. Un coup, on est dans la forêt. Ouais. On fait un petit coup de plage avec les soleils qui chauffent pas mal. Et on rentre un coup à un moment donné dans la grotte pour se rafraîchir un peu. C'est le top. Et puis voilà, on va directement, après on longe la plage, on va directement au village. Et juste à côté on trouve le village. Juste à côté on trouve le village. Depuis toujours où te crie ta liberté, et pourtant, oui, ils font semblant de ne pas t'écouter. Depuis toujours où, oui, le sang a coulé, et pourtant, mais tu sais que ça ne s'arrêtera jamais. Mais aujourd'hui, tu réclames ton indépendance. Oui, ton âme, oui, de cette douce France. Oui, aujourd'hui, oui, tu veux grandir. Mais pourquoi pas seul pour un meilleur avenir? Hey, hey, hey. Oh, toi, hein, c'est pour toi cette mélodie. Hey, hey, oui, oh, c'est des maniocs râpés et cuits au four. Faut d'abord râper les maniocs, après faut faire un four, cuire au four. Après on fait de lave-lave. C'est une autre méthode. Lave-lave, c'est mettre du lait de coco pur. Tout à l'heure, on va mettre dans une marmite et on met du lait de coco, mais du lait de coco bien pur pour que ça soit, comment on dit, ça soit bien tendre. Voilà. Ça, c'est la méthode de Tokanod. Chez nous, ici à Tiga, à Tokanod. Et toi, Kaye, tu es sur l'île de Tiga depuis combien de temps? Ça doit faire depuis 2013. Ouais. Alors quand toi, tu es parti de Tiga pour les études, ça t'a pas manqué ton île? Ah si. Ah, mais c'est la grosse difficulté chez nous. Quand on part pour les études, déjà ici, il n'y a que le primaire. Il n'y a pas de collège. Fait que pour le collège, pour moi, pas moi, je suis parti à Havila. Et déjà, petit comme ça, quitter la famille. Ouais, c'est pas facile. Ouais, vous imaginez. C'est... Après, voilà, grâce au collège, après, on a pris l'habitude. Fait que le secondaire, ça n'a pas été trop difficile. Mais c'est surtout, voilà, quitter petit, on a pris l'habitude. On a toujours été habitué à ce genre de... Mais c'est vrai que c'est dur de vivre loin de la famille. Pourquoi t'es revenu à Tiga et t'es pas parti travailler? Au fond, on sent aussi qu'ici, il y a besoin d'aide. Les vieux, ils peuvent plus trop faire les champs. Il faut qu'au moins, dans les maisons, il y a au moins un garçon ou deux. Et moi, chez moi, là-bas, pour ma part, il n'y a pas de garçon chez moi. Puis du coup, profite un peu de rester avec les vieux. Donc, ils sont encore là avec nous. Faire les champs, aider. Pour aider. Voilà. En étant avec, en étant avec les vieux, ici, sur Tiga, ça, je veux dire, il y a un, comment on va dire ça, culturellement.
Il y a un échange, il y a un temps où tu prends. Ah bien sûr, tout le temps. Tout le temps, ici on en prend tous les jours. Oui, ici, tous les jours tu apprends, même les plus âgés, là, ils nous répètent tout le temps ça. Même nous on apprend. Voilà. Fait que, voilà, Tiga, ça peut être. Enfin, la tribu, je parle pour tous ceux qui sont à la tribu. La tribu, tu. On reste là, on apprend. On est tout le temps en train d'apprendre, quoi. Tu apprends quoi, par exemple, quoi? Déjà, les champs, notre culture. Les champs, la pêche. Parce qu'ici, c'est ça. C'est les champs, la pêche. Comment faire les champs? Comment faire, voilà. Puis aider aussi la tribu. Quand il y a des travaux, par exemple à la paroisse. Ou... Ah, le jeune, il est là, il aide. Il apporte, c'est la force. Le jeune, c'est la force. Ce qui fait respirer l'île. C'est le cœur de la tribu, le jeune. Est-ce que Tiga a besoin de, je veux dire, de nouveau, ou est-ce que Tiga est bien comme il est? Est-ce que toi, tu as envie de que ça bouge? Tu vois, une question, enfin, ça, c'est une question plus personnelle. Oui, ben, bien sûr, Tiga... On a besoin aussi que Tiga évolue un peu. Évolue un peu pour. Parce que voilà, on va. Non, voilà. Pas trop. Faut que ça bouge un peu. Ouais, il faut que ça bouge un peu. Ouais. Change un peu, parce qu'on est toujours dans le même. Train-train, quoi. Voilà. Les champs, on se lève le matin, champs. Pêche. Mais là, il y a du foot. Bah oui. Voilà, là, le club s'est créé, là. C'est... Un nouveau délire là qui... Ici on a un plateau sportif, on n'a pas de terrain de foot. Du coup on s'amuse là au plateau. Plateau de l'école. Vous avez un club ici à Tiga? Ils viennent de... Ouais, on vient de créer le club là. Il n'y a pas longtemps, il doit... Bah, 3-4 mois de ça. On a fait le club. Club de futsal. Club de futsal. On n'a pas encore joué nos premiers matchs, mais ça... Ça doit pas tarder là. D'accord. Ouais. Ok. Cahier, ici, par rapport à ce que j'ai entendu concernant la légende, c'est une terre de champ. On a choisi le champ avant de choisir l'eau. Voilà. Toi, tu chantes, tu composes? Oui, un peu. Un peu? Ouais, ici, on est tous musiciens, ici. Dans les... Tous musiciens, ici? Oui. Ouais, notre histoire, c'est la musique. D'accord. Oui, on joue tous de la musique, ici. Toi, dès que tu es né, ça y est, tu entendais déjà les anciens... Oui. Avec une guitare, avec un instrument. Ah oui, ouais, c'est clair. Ah ici c'est... tout le temps vous allez entendre chanter, tous les jours. Parce qu'ici c'est la musique. Et là on a qui là qui joue? Là, vous avez le tonton là, Jiki. Pour ceux qui connaissent Radical, c'est lui. Que tu te fracasses le front. Baisse-toi, laisse ton orgueil se lier du chemin de paix. À là où tu entres, commencera l'histoire. Au de ma caisse, s'élève vers le ciel. Fixe du regard l'infini, l'espace du cosmos. Le bas plonge dans la terre, cherche les racines, les origines. Quand bien éloignées, commencement d'histoire oubliée. Ça a été. Là, il commence à bouillir. On va pas tarder à rajouter les morceaux de manioc là-dedans.
Puis on va laisser comme ça mijoter dessus le feu pendant 5 à 10 minutes. Et puis voilà que les cocos elles s'épaississent un peu en cuisson. Les habitants de Tiga n'ont pas fini de nous raconter leur histoire. Ce premier chapitre se termine, mais nous les retrouverons bientôt pour la suite de nos aventures ici à Tiga. Quant à nous, on se dit à bientôt.